Every man has two countries, France and his own. À propos. 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 A production of the French Consulate General in New York. With the support of France-Amérique Magazine. Welcome to A Propos, a podcast across the Atlantic. I'm your host, Garance Choco. In this podcast, brought to you by the Consulate General of France in New York, I welcome guests from both sides of the Atlantic to discuss cultural, social, and political matters, and to build bridges between our two countries. MC Solaar, bienvenue au Consulat Général de France à New York. Votre musique est connue et adorée par la société française. On peut même dire qu'elle transcende les sphères sociales et politiques. Vous avez été reconnu par l'Académie française, qui vous a remis la grande médaille de la chanson française. Vous avez reçu plusieurs disques d'or et disques de platine. Et vous avez été membre du jury du Festival de Cannes. Quels éléments de votre musique, de votre personnalité et de votre sensibilité personnelle rendre votre œuvre si universelle? Comment arrivez-vous à toucher autant de personnes? Je crois que ce qui a touché la France, c'est que j'ai pas fait une musique sectaire. C'est simple, quand j'ai commencé, je traînais dans les soirées rap, mais j'étais aussi à l'école. Et c'était à l'époque du rock alternatif. Et je me disais que je devais pouvoir parler à mes amis d'école. Somvang, Brice, Christian et les autres. Et donc, j'ai pas fait ce qu'on appelle du jargon, ou du verlan, ou... Mais voilà, je voulais qu'ils puissent au moins comprendre. Donc, et puis, il y avait déjà tellement de gens qui faisaient du slang ou des sujets particuliers que moi, bah, j'ai essayé de trouver une voie à part. Et comme j'étais scolaire, bah, j'écrivais comme un étudiant, c'est-à-dire essayer de trouver le sens, le fond et le style. Et je crois que c'est ça qui a plu, c'est-à-dire que, curieusement, c'était plus grand public, puisque je m'adressais à un large public plutôt qu'à ceux avec qui on traînait le soir, dans les soirées du Globo, du Bobino, de la Java et autres. Donc le simple fait que je sois encore scolarisé a fait que j'ai écrit un petit peu différemment, je crois que c'est un des trucs essentiels. Papa, maman, je suis un môme qui rêve de voir le MoMA. Au départ, je ne rappais que des trucs assez cool à mes potes dans la cour de l'école. Maintenant, pour être top, je dois plutôt leur parler de drogue, de pin-up et d'alcool. Je me lève le matin, on m'en fait des tartines que je trempe dans mon chocolat. Je me change sur la route et j'arrive au bahut avec le style d'Atlanta. Là je fais croire que je boude, que j'ai pris des coups dans le hood. À la récré MP3 sur la tête, je bouge la tête et les coudes. Leur parle de coups de coude, de coups de couteau, de beaucoup de coups de tête. De tête à tête, de balayette, balle à LED et de mitraillette. D'ailleurs vous avez une passion pour la philosophie, n'est-ce pas? Vous l'avez étudié aussi? Après le baccalauréat? Ouais. Avant, j'ai pris une fiction, j'ai pris une littéraire avec une option le samedi avec 4 heures supplémentaires, 3 pardon. Mm-hmm. C'était cool. Socrate, Platon, Aristote et les autres. C'est génial. Mm-hmm. C'est génial parce que ouais, c'est un jeu mathématique, c'est un jeu avec le cerveau. Ouais, bon, j'ai mis un peu des noms de philosophes dans mes morceaux, mais ça me permet de penser et de comprendre en général. C'est très très important que dans n'importe quelle discipline, on fasse un peu de philosophie. Et d'ailleurs, dans vos chansons, vous traitez souvent le sujet métaphysique, du bien, du mal, de Méphistophélès.
de la lumière, comme des côtés plus obscurs. C'est parce que comme j'étais enfant, moi, je croyais qu'il y avait le bien et le mal. J'étais manichéen, j'étais zoroastrien. Et puis surtout pour lancer un message, faire en sorte que, orienter un peu des gens vers quelque chose de positif, il faut être extrêmement caricatural. Alors, chaque fois que je fais quelque chose un peu sérieux, je m'appuie sur le bien et le mal, sur des épisodes bibliques, sur Mephisto, comme ça c'est bien caricatural, je vais faire même Dracula un jour, pour que, bon non, mais c'est plus, c'était avant ça, maintenant les gens ils vont sur internet, ils comprennent tout, mais avant c'était bien de bien faire la différence. D'être caricatural, c'est souvent des chansons épiques hein, quand je fais ça, pour que les gens ils soient dans de l'héroïque fantasy, et qu'ils aient peur. J'ai le téléphone du diable, prends son numéro, appelle-le en PCV, envoie-lui des textos. Dis-lui de ma part qu'avec foi je le maudis, qu'avec chapelet contre lui je psalmodie. Dis-lui qu'on va rassembler ce qu'il a éparpillé, par ce qu'il a divisé, par ce qu'il veut diviser. Vexe-le, lance des psaumes en argot, mets ton doigt en l'air, écris va en culo. J'ai la boîte mail du diable, son triple W, il mène une double vie, nous envahit comme V. Dis-lui qu'on flip up, dis-lui qu'on est apte sur les starting blocks pour l'impact avec le diable. C'est vrai que vous capturez si bien l'héroïsme et l'épique. C'est quelque chose qui caractérise vraiment votre, vos chansons et votre style. Et encore qui touche à l'universel. Ouais. Ouais, ouais. Toujours. J'ai déjà vu. C'est génial, quoi. On n'est pas sur des choses concrètes, on est sur des choses. C'est l'occasion de faire de la violence. Et où le. Or là, comme ça, comme c'est pas existant, où le bien gagne, où le bien perd, mais en tout cas, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on voit la lutte, on voit les sentiments. J'en ai fait 3-4, un pacte avec le diable. La trappe Nigo, je crois. La trappe Nigo. Solaar pleure. Et Dieu créa l'homme. Guérilla. Oh, mais tout cela avec le bien et le mal. À quoi ça sert? À faire en sorte que les gens choisissent. S'ils ont le choix. C'est caricatural, hein. Il y a le bien et le mal, c'est pas subtil. Et moi, je suis dans le camp qui lutte contre le mal. Et je trouve que c'est bien. It's the good. Le bien, le mal, le good, le bad, le bien, le mal. Il était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques, ça reflète à la lumière et sans elle du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi, le poids des mots et le choc des photos. Hey yo, it's time to get up, time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still, in every city. Lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good, the bad, le bien, le mal, the good. Vous parlez beaucoup du côté positif, d'apporter un aspect positif, d'apporter des valeurs positives. Vous parlez d'espoir, vous parlez d'éduquer, mais de manière humble, votre audience, pour qu'elle puisse penser. Vous donnez beaucoup à votre audience. Et vous pensez que ce rôle et ce désir de don, d'où vous le puisez? Alors là, je crois que c'est 5 ou 6 de mes profs qui m'ont... Là, dans mon cursus scolaire, qui m'ont formaté à avoir des choses que je regrette pas aujourd'hui. Je vais dire de la maternelle à aujourd'hui, je regrette pas. Ils m'ont donné, à mon avis, moi, quand je regarde ce qu'ils m'ont inculqué dans les différentes villes où où je suis allé à l'école, je changerai pas aujourd'hui un certain type de valeur, une certaine façon de de lancer des mots. Ne pas écraser
les gens, pas être pour la loi du plus fort, etc. Mmh. Même si j'avais fait des écoles de commerce, encore c'est pas ça les écoles de commerce, mais c'est des bonnes valeurs, mais ça vient vraiment des profs. Et heureusement que j'ai eu ces profs-là, parce que sinon j'aurais regretté tout ce que j'ai écrit. Je vais chanter des chansons qui ont 30 ans, là, à peu près, ou 25, ou 18, ou 12. Je change pas une virgule, parce que j'ai eu des profs qui nous ont inculqué des très très bons trucs. Parascolaires, dans les discussions, dans d'autres choses. La prof d'espagnol qui était dans Amnesty, l'autre prof d'espagnol qui était... des bonnes choses. C'est pas les cours, c'est ce qu'ils te racontent à part et avec l'actualité et tout. La chance, hein. Vive la France. Vive l'éducation nationale, en tout cas. De l'époque. Les profs. En effet, de par votre musique, de par vos chansons, vous parlez de la guerre, vous parlez de l'impérialisme, vous parlez de la condition humaine. Donc, quel est votre processus de choix de sujet? Et en parlant maintenant du présent, de l'actualité, n'est-ce pas? Parce que vous chantez et vous parlez de l'actualité. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont les sujets qui vous animent? Alors, j'ai fait, depuis que je suis jeune, jamais l'actualité, parce qu'elle change. Jamais l'actualité, jamais le diariste, jamais l'éditorialiste, tu vois, celui qui fait le truc. À aucun moment. Je préfère voir quelque chose et puis le voir après. Et puis, déjà, t'as un recul, t'as une petite analyse. Mais c'est jamais prémédité. On est au studio, et puis c'est ton stylo qui t'amène quelque part. Après, si on me fait une commande... Alors, pourquoi il y a des sujets qui reviennent un peu souvent? Peut-être parce que j'essaie de pas faire deux fois la même chose à chaque album. Donc, si je fais un sujet qui parle de l'automne, je vais en faire un qui va parler plutôt... qui va être plutôt hivernal, un autre qui va être plutôt printanier, puis voilà. C'est-à-dire que sur trois jours, je ne peux pas faire deux fois la même chose. Et donc ça bouge un petit peu. Très bien. Je crois que c'est ça. Si je veux donner l'image réelle, j'essaye de toujours faire un 4 quarts avec voilà, du beurre, du sucre, du lait et des œufs. Si je fais 6 morceaux comme ça, il n'y aura que de la farine, ça va pas. Parce que je considère les trucs en au moins 12 titres. Donc il m'en faut 4 qui tendent vers ça. Ça permet de changer l'arsenal linguistique, le vocabulaire, plein de choses. Attention, ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais en général, la recette marche. C'est pas les mêmes choses. Là, c'est le processus créatif, mais c'est pour pas que ce soit les mêmes choses. On change de sujet. C'est intéressant parce que vous avez ce désir de nouveauté, de créativité pure. En fait, on crée quelque chose de nouveau. Ouais. C'est très intéressant, ça, en général. Parce que c'est vrai qu'il y a ce discours maintenant aussi de on reprend et on essaie d'améliorer ce qui est, n'est-ce pas? Mais vous, ce qui vous anime vraiment, c'est cette espèce d'étincelle de création, d'originalité, de curiosité fraîche. Ouais. Et est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça? Moi, c'est simple, il suffit de rencontrer quelqu'un. Un musicien, n'importe qui, dans le studio, il y aura l'idée de la personne. Et simplement être dans le même lieu, il y a une idée qui rencontre une idée et il se passe quelque chose. C'est sûr et certain qu'on ne pense pas pareil. Parce que si telle personne habite le 6e arrondissement... il va t'envoyer des vibes du 6e et tu vas faire un truc élégant. Tu vas rencontrer quelqu'un qui vient de et qui a aimé la funk parce qu'il te l'a dit auparavant. Tu vas pas écrire la même chose alors que vous êtes presque rien dit sur le moment de la création, mais t'as envie de lui faire plaisir, il a envie de te faire plaisir. Il y a des interactions non vues qui font quelque chose. Tu peux avoir du fromage d'un côté et du pain de l'autre, c'est en les mélangeant que t'as un sandwich. Sinon, t'as l'air con. Mais là, tu manges ton fromage, Non, mélange-les, t'as créé un truc. D'ailleurs, il a été inventé comme ça, le sandwich. Le mec, il lui a dit, ouais, tu peux me cacher ça dans du pain. Et puis et il mangeait à l'Assemblée à Londres, c'est ça, hein? Lord Sandwich. Lord Sandwich, yeah. Le vent souffle. Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson.
Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire. Son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la lutte. Il lutte, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Vous avez hérité de certaines des cultures les plus riches du monde, votre famille étant originaire du Sénégal et du Tchad, et vous avez grandi et vous êtes développé en France, à Paris, qui est aussi un grand centre culturel. Vous avez d'ailleurs profondément contribué à la culture française. Donc, qu'est-ce que cela représente pour vous d'être un artiste de hip-hop français ? Alors, un artiste hip-hop français, quand chaque fois que j'ai vu aux États-Unis, alors regardez la France, l'élégance, Comité Colbert, des belles choses, et puis surtout ils connaissent pas, mais ils aiment. Et puis ils aiment aussi l'Afrique par l'inconnu. Et puis je suis arrivé à, je sais pas, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était le, c'est quoi, les mouvements pour le je sais pas quoi des peuples africains, la haine, je sais pas quoi. Il y avait ça sur tous les disques là. C'était un truc américain là d'ici. Je connaissais pas cette association. En gros, il faut tirer toutes les forces de ce qu'on est. Alors malheureusement, je suis né au Sénégal, mais à 6 mois, j'étais en France, donc j'ai pas pu avoir les bonnes vibes sénégalaises. Et le Tchad, je l'ai connu qu'un jour, quand j'y suis allé en 2009 pour voir. Donc en vrai, je suis très très français. Mais j'ai toujours mis les vibrations africaines parce que les fois où je suis allé, j'ai compris des choses en parlant avec des gens. C'est pas genre des secrets mystiques. T'avais des Mexicains, des chamans. Non, pas du tout. C'est... les histoires de griots, les liens avec le rap, mais je suis plutôt français, hein, à 97%, mais heureusement que je me suis pas fermé culturellement. Qu'est-ce que ça veut dire être français pour vous ? Être français ? Mm-hmm. Alors là, d'abord il y a l'éducation nationale, mm-hmm. C'est bon ? C'est très bien. Après t'as la New York Lottery, là-bas c'est la Loterie Nationale. Mm-hmm. Après, t'as le Front National. Bon, c'est une de mes vieilles chansons. Être français, c'est quoi, les valeurs de la France ? Non, mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire d'être français ? Être français, je peux pas savoir. D'être français, pourquoi ? Je suis français comme Jean-Marc Briens, qui vient de Normandie, qui travaille dans la cuisine à Oxford. Bon, on est français. Naturellement, on a des choses que les autres n'ont pas. Mm-hmm. Ouais. Alors c'est quoi ce truc? Ça va faire un peu années 60, mais là, franchement, moi, si c'est valable au Danemark et au Gabon, pour moi c'est bon. Okay. Et je suis toujours dans les exemples, quand les gens y racontent, ils font de la philosophie, de la politique. Je regarde si l'exemple est valable à Copenhague et à Madagascar. Mm-hmm. Waouh, et ça permet de relativiser plein de choses, des fois. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes hip-hop américains, tels que Missy Elliott, The Roots et d'autres. Donc, quelles similarités et quelles différences avez-vous remarquées ? Qu'avez-vous appris les uns des autres ? Alors, avec ceux avec qui j'ai travaillé, je crois qu'on était exactement sur le même pH, sur la même longueur d'onde. Ce sont des gens... Alors, je vais mettre plein de qualités parce que je suis mis dedans. Non. C'est la chose qui était assez étonnante pour moi. Tu sais, je voyais les rappeurs américains. On se dit, ils sont plus forts, arrogants. Il y a eu des guerres entre tel quartier, le Queens et le... Non. Ceux avec qui j'ai travaillé sont extraordinaires. Toute l'équipe de The Roots, Philadelphie, petite pizza, hop là. Non mais super. Gourou, une grande découverte, qui te donne des conseils. D'ailleurs, je sais pas s'il est plus âgé, moins âgé, mais il te donne des conseils. You have to be pap, 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 et il te donne des conseils. Missy Elliott, c'est pour le combat que les gens n'ont pas pu voir, mais si on regarde sa discographie, elle a fait ce qu'aurait pu faire, comment on appelle ça, le ministère de la femme de n'importe quel pays, mais plutôt Steelbox Style que... et puis avec qui j'ai travaillé. Non, c'est vraiment des...
On est sur la même longueur d'onde. Mm-hmm. Je crois que... Ouais, toute personne que je rencontre, je crois que c'est à peu près pareil. Préparé. Ouais, en fait, je fais le phénomène d'osmose. Mm-hmm. Je suis un peu un bouchon de liège, mm-hmm. et eux, c'est de l'eau. Après, on se retrouve à peu près au même niveau. Quel est l'impact positif que vous avez et que vous voulez continuer à avoir dans la société ? En tant qu'artiste, j'essaye de faire une métamorphose. Donc, je vais passer de l'impact positif à l'impact négatif, mm-hmm. pour avoir une autre créativité. Mm-hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui a toujours peint sa période bleue, il va essayer de passer à la période verte. Non, je crois que, en tout cas, ce que je suis en train de faire sont des choses... comment on appelle ça ? On va pas dire dark, mais qui tendent vers là. Parce qu'il faut se récréer artistiquement, j'en ai deux, trois. Et le challenge, c'est comment faire pour que ça parte de là et que ça remonte. J'ai au moins 3-4 morceaux comme ça. C'est un nouveau truc, une évolution artistique. Une évolution. Mm-hmm. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup évolué. Mm-hmm. Volubile. Mm-hmm. Très très peu, 10 ans après. Des histoires, 12 ans après. Et là, une nouvelle formule. Ça va pas plaire. Ah, mais on va. Ça va pas plaire, mais on va adorer. Non, mais c'est super. Donc, vous êtes inspiré par tout le matériel que vous êtes en train de façonner et de créer. Ouais, mais c'est un autre, c'est une autre matière là. Mmh. C'est une autre matière de l'abstrait. Très bien. Ouais, le concret, il se trouve sur sur YouTube, donc ça va être très abstrait. Super. Pas du jargon. Hein. Mmh. C'est des histoires pas palpables, des films. Mmh. D'ailleurs, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous avez vu comme film dernièrement qui vous a touché ? La Casa des Papel. La Casa des Papel. Je n'ai pas encore vu. Ah non, mais moi, il n'y a, pas d'art. Pardon, je l'ai vu par hasard. Hein. Ça vous a plu ? Bien sûr, j'ai regardé tous les épisodes, c'était le confinement et tout. La Casa des Papel, Netflix ? Je ne savais pas que j'avais Netflix. Après, elle m'a dit, ouais, il y a un truc. J'ai dit, ah, ok. Non, c'était bien. Ok. La première saison. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ce film ? C'est que ça reprenait au final. Comment on appelle ça, les problèmes qu'il y avait en Espagne 5 ans plus tôt. Mm-hmm. Puisque, ouais, il y avait plein de choses dans ce film, en réalité. Et puis cette volonté de ne pas tirer un coup de feu, donc qui a fait faire un scénario, je parle pour la première saison, totalement différent. La contrainte a créé quelque chose d'autre. Puis un gars qui s'appelle El Professor. Il a des lunettes. Ouais, la Casa des Papel. Sinon, je regarde pas trop de films. Je regarde que les films où il y a des poursuites. Mmh. Oui. c'est mieux. Il nous plaît ce qu'il nous plaît. Hein. Ouais, ouais. Mmh. Pour la bande-annonce, au moins, on a une vraie bande-annonce avec une poursuite et un accident. Très bien. Écoutez, ce fut un honneur de pouvoir avoir cette discussion avec vous. Merci de tout cœur. Donc, merci beaucoup pour tout. Muchas gracias. De nada. Caroline, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.